Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment camoufler, cacher des taches. Donc récemment, j'ai eu plein de petits boutons dus au stress. Donc voilà, maintenant j'ai des taches. J'ai une peau très sensible, donc dès que j'ai un petit bouton, j'ai une tache brune, foncé, noir, bleu, comme vous voulez. Donc voilà, si vous êtes intéressé à voir ce que je fais, c'est très facile. Mais en tout cas, si vous voulez un teint flawless, sans imperfection, donc continuez à regarder cette vidéo. Donc je vais vous parler un peu de ma peau. Donc j'ai une peau très sensible déjà. Donc normal à mix, je brille sur la zone T, donc sur le nez et sur le front, je brille. Et j'ai des pores dilatés, voilà. Donc j'ai souvent des boutons qui me laissent des taches, voilà. Donc je vais vous montrer un peu les taches que j'ai. Voilà, faites pas attention, j'ai mis ma base, donc c'est pour ça que vous voyez un peu cette couche blanche. Donc voilà, donc j'ai déjà fait mes sourcils. Ce qu'il faut savoir, c'est que avec les peaux noires, quand on a un bouton, le bouton souvent nous laisse avec une tache noire ou on va dire marron. Et c'est de l'hyperpigmentation. Voilà, pour camoufler les taches brunes ou marron, tout simplement, faut corriger avec de l'orange ou du rouge. Mais la plupart du temps, les gens corrigent avec de la couleur pêche ou orange. Donc c'est ça qu'on va faire avant de mettre le fond de teint. On va d'abord cacher les imperfections avec un correcteur orange. Alors moi aujourd'hui, le correcteur que je vais utiliser, c'est celle-ci. C'est la palette. Donc ce qui est bien avec cette palette là, vous avez plusieurs couleurs. Donc comme vous voyez, j'ai fini la majorité des couleurs, des correcteurs. Donc ce qui me reste, j'ai celui-ci qui me reste. Et voilà, un peu de celui-là. J'ai hâte de la finir parce que ça fait un moment que je l'ai. On va corriger avec cette couleur orange. Et sur la palette MAC, la référence, c'est Pure Orange. Et des correcteurs orange, comme ça, vous en trouvez sur toutes les marques, la majorité des marques maintenant. Alors, pour cette étape, vous pouvez utiliser votre doigt ou un pinceau. Moi, je vais utiliser un pinceau. Aujourd'hui, je vais utiliser le pinceau de Real Technique. Oui, ce petit pinceau là, donc c'est un petit pinceau, attendez, ce petit pinceau là, voilà. Alors ce que je vais faire, je vais prendre mon miroir. Alors je vais corriger les taches plus foncées que je vais voir sur ma peau. Si vous voulez, vous utilisez votre doigt parce que en fait la peau va réchauffer le correcteur. Mais moi, comme mes ongles sont plutôt longs, donc j'ai pas envie de... Alors, ce qu'on va faire... Alors, je vais poser la couleur, mais... Je vais tapoter sur la tache. Et je vais pas faire glisser mon pinceau. Je ne fais pas glisser mon pinceau, mais je tapote là où j'ai une tache. Alors, comme vous voyez, je tapote vraiment. J'ai plein de boutons, c'est bizarre. D'habitude, j'ai un bouton.
J'ai deux boutons chaque mois, malgré qu'après ça j'ai des taches, mais là j'ai eu beaucoup de taches d'un seul coup. Là maintenant j'ai caché vraiment, je me suis vraiment plus concentrée sur les taches importantes, un peu plus foncées qui se voient quand j'applique mon fond de teint. Donc voilà ce que ça donne. Voilà ce qu'on a pour l'instant. Oui. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Surtout, ne mettez pas beaucoup de produits, hein. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de produits. D'habitude, là, j'en mets pas du tout, mais bon. Juste pour la vidéo. Voilà, donc là c'est notre couleur orange. Après, ce que je vais faire, donc il y a d'autres personnes qui s'arrêtent là et après elles mettent le fond de teint, mais moi je mets une autre couleur, un correcteur qui correspond à ma teinte, ou oui, un tout petit peu plus, une demi-teinte plus foncée. Je vais utiliser celle de Benefic Fake Up. Alors la teinte, je pense que c'est la 3 la plus foncée. Et je vais poser le correcteur juste au-dessus de la couleur orange. Et si vous voulez aussi la couleur orange, avant d'appliquer votre deuxième couleur, vous pouvez aussi estomper avec un beauty blender. Mais non, moi je fais pas ça du tout. Je pose d'abord mes deux couleurs. Alors comme vous voyez que je tapote, hein, je pose le produit. Je n'estompe pas le produit pour le sang. Il faut savoir que je mets un tout petit peu de correcteur, pas beaucoup. Vous avez vraiment besoin d'un tout petit peu. Alors quand vous me voyez faire comme ça, vous pensez que ça va prendre beaucoup de temps, mais je vous assure que ça prend pas beaucoup de temps. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Juste après ça, donc je vais estomper les couleurs avec ma beauty blender. Mais juste pour vous dire aussi, avec les peaux noires, quelquefois on a de l'hyperpigmentation tout autour de la bouche, les lèvres, donc vous pouvez aussi mettre du correcteur orange pour corriger les taches foncées. Et aussi quelquefois avec les peaux foncées, peaux noires, vous avez aussi l'hyperpigmentation ici.
Donc moi je fais pas ça souvent, mais je vais juste le faire pour la vidéo. Et aussi souvent au coin interne des yeux, de l'œil. Donc voilà ce que ça donne. Je ressemble à rien du tout. Maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre ma Beauty Blender. Elle est un peu mouillée. Alors, et je vais tapoter. Je vais tapoter. Essayer de ne pas faire bouger le produit que... Le correcteur qui s'est déjà posé. Donc... Je tapote. Ok. Alors moi, j'estompe pas beaucoup. Hein, parce que quelquefois, le Beauty Blender... on va dire, avale le produit. Ok. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais prendre mon fond de teint. Je vais prendre mon fond de teint maintenant. Alors le fond de teint que je vais utiliser, c'est celui-ci de Revlon. J'adore la couvrance de ce fond de teint là. Alors je vais mettre deux pompes. Ce qu'on va faire. Et je vais prendre mon fond de teint. Et je tapote toujours. Donc je tapote parce que j'ai des pores dilatés. Et quand on a des pores dilatés, c'est mieux de tapoter en fait. Pour l'application du fond de teint. Alors. Ce qui est bien avec cette technique-là, vous n'allez pas utiliser beaucoup de fond de teint. Concentrez-vous d'abord là où vous avez plus de taches. Vous avez posé votre correcteur. Alors là, je peux faire glisser parce que j'ai pas de pores dilatés. N'oubliez pas de faire glisser le fond de teint jusqu'au cou. Vous n'avez pas besoin de mettre du fond de teint. Ce qui reste sur le pinceau, ça vous fait glisser en fait. Donc voilà ce que ça donne. Donc vous ne voyez plus mes taches. C'est quelque chose que je ne fais surtout pas chaque jour. Je fais ça vraiment quand j'ai besoin d'être flawless, quand je sors, je pars à une soirée, une fête, un mariage. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et vous avez appris quelques petites astuces pour cacher vos imperfections, vos boutons avant d'appliquer le fond de teint pour avoir un fini flawless. Donc on se retrouve sur ma prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.